Hi everybody, I bring you a new video today. Salut à chaque corps, j'apporte à vous une nouvelle vidéo aujourd'hui. Sous vos yeux, un vidéaste atteint d'une névrose aiguë. S'imaginant être un véritable Britannique, a true Briton, sur les lieux mêmes du débarquement britannique du 6 juin 1944 dans le secteur de Gold Beach, va vous présenter une vidéo sur le Dunham of Halls. Nous sommes ici à Vers-sur-Mer. Mais attention! Il arrive. Alors, le Dunham of Halls, c'est donc un ensemble en toile de treillis, Dunham, donc style jean, ensemble de pièces qui reprend la coupe du Battle Dress et même tous les détails d'ailleurs du Battle Dress modèle 40, et qui peut être porté sur la tenue de Battle Dress. Ben, ça va être un peu chaud quand même. Et donc pour les travaux de servitude, les corvées, c'est une tenue de travail en fait, tout simplement. Ici, le blouson est authentique et le pantalon de reproduction, pour une fois. Alors, le Dunham of Halls peut aussi être porté seul, en tenue d'été, c'est-à-dire seul, sans le battle dress en dessous. Et notamment, il a été utilisé comme tenue de combat par les fantassins de la première division blindée polonaise. C'est ça qui l'a rendu un petit peu célèbre. Les infos que je délivre ici avec une joie non dissimulée sont tirées du livre « L'automie de la libération » par Jean Bouchery aux éditions Histoire et Collection. Citons nos sources. Et là, nous détaillons le brelage d'époque avec les bretelles de suspension, le ceinturon, les deux pouches à l'avant, la gourde sur le côté droit et la gamelle sur le côté gauche. Et si cette vidéo vous semble décousue, c'est que tout simplement, vous n'avez pas les moyens, les capacités intellectuelles pour en saisir la finesse. Et aussi parce que je viens de visionner un film des Monty Python hier soir, enfin avant-hier soir. Cette vidéo n'est pas bâclée, elle est faite sous l'inspiration de l'instant. Et pour la poignée de spectateurs qui regarderont cette vidéo jusqu'au bout, sachez que ces dernières scènes sont tournées au musée America Gold de Vers-sur-Mer. Je vous laisse sur une vue de Gold Beach. Non mais c'est pourri ta vidéo. Franchement, c'est nul, hein. Ça partait peut-être d'un bon sentiment, mais c'est nul.